Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est enfin l'heure de faire la vidéo sur mon retour d'expérience de mes Artillery Sidewinder X1. Alors voilà, ça fait maintenant 2 mois que j'ai les imprimantes et franchement, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir ce qu'elle vaut. Donc pour commencer, on va parler de la construction de l'imprimante 3D. Cette petite machine a un plateau de 30 par 30 et qui imprime sur 40 cm. Elle a un extrudeur direct drive de type titan, donc ça veut dire que quand vous imprimez, c'est très 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 rare que la buse se bouche. Et ce qui veut dire que normalement, si vous imprimez avec du fil flexible, je crois que c'est le TPU, ça s'imprime sans problème. Ensuite, pour la buse en elle-même, elle est de taille 0,4 mm et imprime du filament basique de 1,75 mm. Sur le site de la marque, on nous parle de vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 150 mm par seconde. Alors très clairement, je n'ai jamais été au-delà de 60. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut en 80, 120 ou même 150. Mais je pense que c'est un peu abusé. Sincèrement, toutes mes impressions sont imprimées en 40 mm par seconde. Et je préfère un peu ralentir la vitesse d'impression et avoir moins de post-traitement que de plutôt avoir une impression très rapide, mais où je passe beaucoup plus de temps à poncer mes pièces. Alors ce qui est super avec cette imprimante, c'est qu'elle a un détecteur de filaments et un porte-bobine au-dessus du cadran. Donc voilà, ça fait vraiment bien le taf. Une fois qu'il n'y a plus de fil, ça doit sonner entre 8 et 10 fois, un son vraiment très aigu. Donc si vous êtes chez vous, vous êtes obligé de l'entendre. On a un plateau en verre texturé, donc ça veut dire que quand vous imprimez avec une température moyenne de 60 degrés, l'impression ne bouge pas du tout. Et pour le décoller, il vous suffit de laisser refroidir le plateau et l'impression se décolle en un claquement de doigts. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser de spatule ou d'outils dans le genre. Devant votre imprimante, vous avez un écran qui est intégré dans la machine. Donc, c'est pas par exemple comme les CR10 avec un gros boîtier sur le côté ou même les Under 3 avec un petit écran également sur le côté. Là, c'est intégré dans la base. Et en plus de ça, l'écran est en couleur. Donc, ça fait vraiment plaisir aux yeux quand on lance une impression. Vous avez juste sur le côté de la machine, enfin dessus, à côté du plateau, l'insertion de la clé USB ou d'une carte micro SD pour lancer vos impressions. Il faut tout de même faire attention à ne pas mettre un petit coup dans la clé USB. Ça m'est presque arrivé quelques fois, juste des petits coups. Si on fait pas attention, je pense que ça peut vite casser. Mais bon voilà, tout le monde sait que les imprimantes 3D sont assez capricieuses, donc il faut faire attention. Ce qui est aussi sympa avec l'imprimante, c'est que comme elle est grande, vous avez un double axe Z, donc avec un moteur, ce qui permet d'avoir une meilleure mise à niveau à chaque montée d'impression, donc à chaque couche. Ça fait que les deux axes en fait montent simultanément en Z, comparé par exemple à la CR10 où des fois ça avait tendance à un petit peu bouger. Pour parler du design de l'imprimante, franchement je la trouve vraiment top. Il n'y a aucun fil qui dépasse, vous avez quelques nappes par-ci par-là, des composants visibles, mais très franchement, je vous dis, ça sert à rien, enfin, pour ma part, ça sert à rien de mettre des caches, des trucs, des logos, des plastiques à rajouter. Vraiment, elle fonctionne très bien sans, et je trouve que avec, ça gêne un peu. J'avais essayé de mettre des logos, voilà, pour cacher les nappes, les composants et tout ça, mais j'ai trouvé que ça imprimait moins bien. Alors c'est peut-être mes réglages qui n'étaient pas bons, mais voilà, j'ai tout enlevé et franchement c'est vraiment top. Elle a vraiment pas besoin réellement de modifications pour le design en tout cas. Bon voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour des caractéristiques de l'imprimante. Maintenant je vais vous parler de mon expérience. Ça fait 2 mois que j'ai ces imprimantes que j'ai achetées chez Artillery 3D Expert et vraiment je voulais changer. Et je voyais depuis plusieurs mois que c'était une imprimante de folie. J'ai vu Thomas Roussel qui a fait une vidéo vachement bien dessus. J'ai vu Stéphane de Neotech. J'ai vu quelques autres youtubeurs qui l'ont présenté et vraiment qui m'ont donné envie de l'acheter. Et comme j'avais un gros projet voilà, qui est juste là derrière, d'imprimer une grosse figurine en 70 cm. Donc je me suis dit, je vais en prendre deux.
parce que je sais qu'elle va être bien. Et franchement, aujourd'hui, je suis vraiment pas déçu. Je vais vous montrer quelques impressions que j'ai réalisées avec. Mais avant ça, on va parler de modifications possibles de l'imprimante. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune modification nécessaire réellement pour le bon fonctionnement de l'imprimante. Mis à part l'axe Z qui bouge un tout petit peu. Alors je vous montre en photo ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé un petit support mural pour, en fait c'est pour un plateau, on va dire un bureau de environ 60 cm. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace derrière l'imprimante, mais ça fait que l'axe Z ne bouge plus du tout, du tout, du tout. Et sans ce support, il avait tendance à un peu vibrer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai imprimé comme test pour voir si le plateau vibrait après la mise de support. Donc voilà, ça donne ça. Petit focus. Voilà, l'impression. Il fait 20 cm. Bon, il y a un peu de strie, mais c'est pas ouf. Là, l'impression fait 20 cm et c'est des couches de 0,16 mm. Je crois bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc voilà, vraiment satisfait du résultat. J'avais essayé d'imprimer une tour Eiffel sans le support mural et vraiment c'était un vrai carnage. Le Z bougeait trop alors que j'étais en 40 mm par seconde. Donc il est nécessaire pour moi d'avoir un support soit mural comme ici. Je vais vous mettre le lien dans la description vers Thingiverse. Ou alors d'avoir les espèces de tiges filetées qui maintiennent l'imprimante encore plus concrètement que ce support mural. Mais voilà, je voulais me débrouiller tout seul. Donc franchement, c'est la seule modification que je trouve nécessaire pour le bon fonctionnement de l'imprimante. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé avec cette imprimante de façon chronologique dans le temps. Alors déjà, pour comparer avec la Under 3, j'ai une impression comme ça qui est vraiment propre en 0,1 mm. Donc c'est pas mal. Après, je rappelle que la Under 3, c'est un plateau plus petit. Donc ça vibre moins généralement. Et voilà, ça c'était juste pour vous comparer avec la Under 3. Ici, c'est mes premiers tests de cube XYZ. Donc la base du cube. Allô. Voilà, la base du cube est vraiment cool et vraiment propre. L'épaisseur de couche, vraiment nickel. Je crois bien que c'est du 0,16 également. Donc franchement, vraiment propre. Ça bouge pas du tout. Rien à dire. Voilà, j'en ai trois comme ça. C'est trois les mêmes sur les deux imprimantes différentes. Rien à dire. Ensuite, là j'en ai un autre. Bon, c'est également la même chose avec une petite bordure. Donc le bas de l'impression est vraiment très très propre. Pareil, rien à dire. Après, avec une imprimante, on n'imprime pas que des cubes XYZ. Donc on va regarder un peu ce que j'ai imprimé d'autre. Alors ici, j'ai imprimé un porte-canettes, un genre de mug avec un monstre qui ressemble au monstre de Soul Sacrifice. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui était sur PS Vita. Moi, j'ai kiffé, ça va, j'ai bien joué dessus. Et ça m'a un peu inspiré pour ce petit modèle. Donc voilà, pareil, vous avez le lien dans la description. Je vous mettrai tous les liens des modèles que je présente dans la description. Voilà, un porte-canettes. On met notre canette et on va boire notre petite boisson. Donc voilà, petit design sympa. Ensuite ici, j'ai une petite tête, un petit buste de Jack Skellington. Donc celui-ci vient de chez Gamebody. C'est mon modèle également, mais qu'ils ont un peu remasterisé par rapport à mon modèle. Donc voilà, un petit buste avec le petit nœud papillon. Alors, j'ai mis de la pâte à fixe, il n'est pas collé. Et vous voyez que voilà, il y a un peu de filament, un peu dégueu comme ça. C'est pas très grave, ça se ponçoune, ça se chauffe un peu avec le chalumeau et ça ressort très très bien. L'impression, pareil, étant 0,16 mm par épaisseur. Donc voilà, très très content du résultat. J'ai eu un petit peu de soucis au niveau de la tête. Vous voyez, ça fait un peu des stries très très visibles.
Alors j'avais mes axes excentriques qui n'étaient pas très bien serrés, donc voilà, ça donne un rendu un peu bizarre. Après, l'impression en soi est vraiment très propre. Je pense qu'un coup de mastic en bombe et un tout petit peu de ponçage, et voilà, l'impression devient vite fait parfaite. Et ensuite, on a le petit torse comme ça qui s'imprime sans support. Voilà, vraiment sympa. Notre petit buste de Jack Skellington. Ensuite, j'ai imprimé le Togepi que j'ai modélisé avec vous dans la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Donc voilà, un petit Togepi, pareil, sans support. J'ai eu quelques soucis, c'était imprimé en 0.16. J'avais pas encore réglé les excentriques de mon imprimante. Mais vous allez voir par la suite que les impressions sont beaucoup plus propres. Donc voilà, ça c'est l'avant-avant-dernier print de mes Sidewinder. Donc la qualité est vraiment ouf. Là maintenant j'imprime en 0,1 mm par épaisseur et c'est vraiment une qualité énorme, énorme. Moi qui imprimais plus qu'en résine, voilà, je commence à réimprimer en FDM et vraiment je kiffe grave, grave, grave grâce à cette imprimante. Alors attention, petit exclu, j'ai contacté Oncle Jesse, donc le youtubeur de la 3D qui est très très connu, donc il a 150 000 abonnés, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Il m'a autorisé à le modéliser, donc il m'a partagé quelques photos et j'ai modélisé sa tête et je lui ai créé un petit buste, donc vraiment sympa, avec le logo de Magneto, parce que je sais qu'il aime bien Magneto. Et voilà, je l'ai modélisé et je l'ai imprimé en PLA et je l'ai aussi imprimé en petit en résine pour tester. Et voilà, je vous montre ça en PLA. Alors ça donne ça, Oncle Jesse, son petit buste. Alors vous voyez, il y a un peu la cicatrice de l'impression juste ici, c'est un peu un Oncle Jesse Albator, mais ça rend bien. Donc voilà, je suis vraiment très content du résultat. Lui aussi a l'air pas mal content. Il m'a juste dit qu'il avait perdu un peu de poids pendant la modélisation. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein. C'est la modélisation. Je ne suis pas professionnel. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je kiffe. Ce buste-là fait 10 cm. Bien sûr, vous avez le lien maintenant disponible dans la description vers Thingiverse. Donc, c'est un modèle gratuit. Et maintenant le buste qui fait 15 cm, toujours pareil, imprimé en 0,1 mm. Par contre, je l'ai imprimé pour une fois comme ça, à plat comme ça, avec un raft, donc avec un radeau. Et vraiment, c'est vraiment nickel. On voit très légèrement les stries, parce que voilà, dans ce sens-là, ce n'était pas peut-être la meilleure façon de l'imprimer. Mais j'ai voulu tester. J'ai voulu tester un peu les supports. Là, vous voyez, vous en avez un peu. En dessous de l'oreille, ici derrière la tête, et bon, ça c'est pas très très grave. Franchement, très très content du résultat pour un petit buste de Oncle Jesse, ça le fait. Et pour finir, j'ai réimprimé des bustes XYZ en 0,1 mm. Donc, franchement, la qualité est là, mais vraiment, la qualité est là, c'est vraiment ouf. J'ai kiffé voir le résultat de ces cubes là en 0,1 mm par épaisseur. Il n'y a rien à dire, c'est une machine de folie. Alors voilà quelques impressions que j'ai réalisées avec les Sidewinder X1. Ces impressions sont brutes. Maintenant je vais vous montrer une petite impression que j'ai réalisée avec celle-ci. Alors j'ai éteint mon téléphone, je vais vous le montrer comme ça. C'est Bertrand Camel de Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez suivi Koh-Lanta cette année. Voilà, c'est un héros qui est malheureusement décédé aujourd'hui de suite d'un cancer. Voilà, je l'ai modélisé, je l'ai imprimé, je vais l'envoyer à ses parents et ils ont l'air très contents. Donc voilà, la tête a été réalisée en résine. Voilà, et le corps a été imprimé avec les Sidewinder X1, donc avec un petit peu de mastic et un petit peu de ponçage. Je suis vraiment pas doué en ponçage,
et en préparation pour le PLA. Mais voilà, vraiment, je suis très content du résultat. J'ai vraiment pas fait d'effort. Et voilà, franchement, je kiffe cette imprimante. C'est vraiment la folie. Et donc aussi, cette impression m'a pris 500 heures. Je l'ai imprimé directement quand j'ai reçu mon imprimante. Donc les réglages n'étaient pas encore au top. Si je le refaisais aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de faire de mastic ou très très légèrement. Là, j'ai eu un souci avec une déformation de plastique par rapport au remplissage qui était trop faible. Mais voilà, franchement, l'imprimante a fait son taf. Elles ont tourné toutes les deux pendant 250 heures chacune. À peu près. Et franchement, aucun souci, jamais eu de bus bouché, jamais rien eu. C'est vraiment une imprimante de fou. Alors vraiment, je mens pas, hein. Je dis toujours ce que je pense. Vraiment, ces imprimantes, vous pouvez le voir de toute façon sur les réseaux, même sur YouTube, c'est vraiment une imprimante de fou. Elle coûte 400 euros TTC. Il y a déjà un coupon de 5% avec hiver 20 ou 2020 sur leur site. Donc de toute façon, je mettrai tout ce qu'il faut pour avoir toutes les informations dans la description. Mais franchement, je vous conseille ce site. J'ai commandé les deux sur ce site-là. J'ai eu un petit problème au bout d'une semaine. J'ai un plateau chauffant qui a pété. En fait, il y a une soudure à l'intérieur du plateau chauffant qui s'est dessoudée. Et donc, j'ai contacté le service après-vente de Artillerie 3D Expert. Je leur ai montré mon problème. Ils m'ont dit d'ouvrir le capot et tout ça. Bref, quelques photos. Et au bout de 3-4 mails, donc en gros au bout de 4 jours, j'ai eu une réponse. Ils m'ont envoyé directement un nouveau plateau chauffant. Donc ici, c'est l'ancien. On le reçoit hop, comme ça. Bien sûr, ils ne nous en renvoient pas le verre. On a besoin juste du plateau chauffant. Il faut juste décoller l'ancien, recoller lui, faire 2-3 dévissages de vis et 2-3 revissages de vis, et voilà, c'est nickel. Et voilà, tout ça peut-être en même pas l'espace d'une semaine. C'est vraiment un SAV très réactif. J'ai un pote qui a eu exactement le même souci que moi. C'est un problème assez récurrent entre guillemets sur les sidewinders. Mais voilà, pareil, comme il avait acheté son imprimante chez Artillerie 3D Expert, ils lui ont envoyé directement un plateau chauffant comme moi. Donc voilà, première fois que je commande chez eux et franchement, SAV au top. Après, je vous dis pas que chez AliExpress ou chez Banggood ou autre, vous n'avez pas un SAV aussi performant. Mais voilà, c'est un SAV français, il n'y a pas de barrière de la langue et c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, je pense que je vous ai raconté toute ma vie par rapport au Sidewinder X1. Vraiment, c'est une révolution. Franchement, je surkiffe cette machine. Cette vidéo est terminée. Je vais juste vous montrer la dernière impression que j'ai réalisée en résine et un tout petit peu en plastique pour la base et ma femme qui l'a peint. Donc, je vous montre ça. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous ne pouvez pas être au courant. On va faire de la place. Attention, vous êtes prêts? Attention. Donc voilà, ma femme et moi avons réalisé ce super bout. Donc de A à Z, j'ai modélisé le super bout imprimé en résine sur la Elego Saturn. Et pour la base, c'était imprimé sur la Sidewinder X1. Et vraiment, voilà, vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je vous mets le lien dans la description si le modèle vous intéresse. Celui-ci sera payant. Et voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Il y a petit macro. Non, bref. Voilà, la peinture de madame. Donc, c'est sa 4e figurine peinte. Vraiment très, très satisfait de son travail. La base est vraiment très bien réalisée aussi. Elle prend son temps, mais franchement, elle se gave. Elle a fait un très très bon travail en peinture que je n'aurais pas pu faire moi-même. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un peu longue. Voilà, je vous ai expliqué les caractéristiques de l'imprimante et mon retour d'expérience après 2 mois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez l'espace des commentaires.
Si vous avez kiffé la vidéo, toujours pareil, vous pouvez liker la vidéo. Si vous voulez faire un coup de pouce à la chaîne Body 3D, vous pouvez partager la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos qui, je pense, vont vous plaire. Et bien sûr, encore une fois, si vous téléchargez un de mes modèles et que vous les partagez sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir que vous taguiez mon nom, @body3d, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss !